Nous sommes dans le vignoble du Val-de-Loire, à Montreuil-Bellay, sur le domaine expérimental de l'Institut français de la vigne et du vin, sur une parcelle de multiplication de Cabernet Franc. Nous sommes devant le clone de Cabernet Franc 214, en Tavinera, un des plus réputés avec le 327. C'est un clone assez productif, qui présente de petites grappes par rapport aux autres clones. Ces raisins sont riches en sucre et ils présentent un potentiel de couleur supérieur aux autres clones. Le clone 214 est aujourd'hui le clone le plus utilisé en Val-de-Loire. Il est assez riche en tanins et il permet l'obtention de vins structurés, aromatiques et avec un bon potentiel de garde.